Allez, on direct sur le terrain d'honneur avec nos amis marseillais pour cette troisième journée du tournoi européen Harmonie Mutuelle. Tout d'abord, bienvenue à vous. Merci. Première participation à titre individuel peut-être, Amen, même si l'Olympique de Marseille est déjà venu sur le tournoi. Oui, l'Olympique de Marseille effectivement est déjà venu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est revenu. Donc moi, c'est ma première participation. Donc je dois signaler quand même qu'en termes d'organisation, de plateau, de bienveillance et la manière dont on est reçu, c'est très agréable. Eh ben écoutez, merci, ça nous fait plaisir. Ruben, est-ce que tu peux nous décrire ton poste et puis ton ressenti sur ce tournoi? Ben moi, je suis défenseur central et j'ai bien aimé faire ces matchs car d'abord on joue sur une très belle pelouse, une bonne organisation, on n'attend pas trop et voilà, j'aime bien, il y a des belles équipes, voilà, j'aime bien l'enjeu. On parle de belles équipes, écoutez, du bas terrain, là moi j'ai vécu vraiment un bon moment de football, ce match contre les Stack avec deux équipes, il y avait de l'engagement, de l'intensité, on a vu des buts, on aurait pu l'OM l'emporter, les Stack auraient pu l'emporter également et ça finit sur un match nul finalement. Exactement, donc tu as très bien résumé le match, il était très agréable à avoir joué en tant que supporter, des fois en tant que coach aussi, c'était pas évident parce qu'on a concédé aussi beaucoup d'occasions, comme tu l'as dit, on aurait pu gagner, on aurait pu le perdre, mais voilà, signaler quand même que c'était un très beau match avec des buts de chaque côté et beaucoup d'engagement et par contre voilà, beaucoup de fair play et un bon comportement des deux équipes à signaler quand même. Ruben, pour finir, malheureusement l'OM ne verra pas les quarts de finale du tournoi. Du coup, quels vont être les objectifs d'ici la fin de ce tournoi? Finir le plus haut possible et essayer de ne pas perdre de match et de progresser personnellement. Okay. Bon, à titre individuel, si on prend l'équipe de l'OM cette année, est-ce qu'il y a un défenseur, une référence pour toi? J'aime bien Chancel Mbemba qui fait une très belle saison. Et qui a marqué hier soir. Et ben écoutez, on vous remercie, puis on vous souhaite bien sûr une bonne fin de tournoi. Merci à vous.